386 inscrits, donc on est très content de l'audience et merci de votre fidélité parce que c'est vrai qu'on est parfois assailli par tout un tas de propositions. Donc merci de votre fidélité pour un mardi de la mer, c'est vrai, très particulier en partenariat, je crois aussi, avec notre cluster maritime. Donc sur une question qu'on se pose beaucoup, c'est vrai que nous sommes un certain nombre à vanter de manière appuyée, je dirais, nos 11 millions de kilomètres carrés, deuxième domaine maritime au monde, en fait le premier, parce que si on considère la ventilation entre, je dis ça pour les étudiants, le premier étant les États-Unis, le 3, l'Australie, je dirais, le 1 et le 3, c'est par la taille de leur métropole, nous, c'est grâce à l'outre-mer. Donc c'est dire qu'on va certainement beaucoup bouger dans ce que le Grenelle de la mer avait appelé autrefois l'archipel France. Donc merci vraiment à tous. Vous êtes des habitués les uns les autres des mardis de la mer pour cette séance particulièrement tonique, rafraîchissante et qui va nous emmener vers de larges horizons. Mais je laisse tout de suite Dribblier nous donner un petit peu la marche à suivre et je dirais les raisons de cette innovation d'un mardi de la mer sous forme, dans le même format, bien sûr, de différentes interventions. Et merci à chacun. Merci beaucoup, Christian. Attends, on est bloqué sur ta vignette. Non, je ne sais pas. J'essaie de régler ça. Excusez-moi, j'ai un partage d'écran qui est bloqué là. Voilà, est-ce que c'est mieux ainsi? Non. Bon, bah écoute, Christian, actuellement, c'est toi qui restes à l'écran pour une raison que j'ignore. Moi, je suis en vignette, simplement, sur mon propre écran. Moi, je suis en pleine Désolé de page. m'imposer malgré moi. Voilà, c'est peut-être mieux ainsi. Non, ce n'est pas mieux ainsi. Excusez-moi pour ce. Je voudrais que ça fonctionne. Voilà, ben on voit Serge apparaître, donc on ne devrait pas tarder à me voir apparaître. C'est formidable. Oui, je voulais vous dire, chers auditeurs de nos mardis de la mer, je voulais vous remercier d'être là pour un de ces utiles mais un peu tristes webinars que nous espérons pouvoir sans tarder retransformer en des réunions plus conviviales pour une majorité de participants, tout en conservant un accès distant pour ceux qui sont plus éloignés. Ce mardi est effectivement, comme Christian l'a dit, un peu particulier, puisqu'il permet à l'IFM de présenter ses travaux sur 11 millions de kilomètres carrés. Pourquoi faire? Le bien commun, fondement de la politique maritime de la France. Nous avions en décembre 2019 et en juin 2020 tenté d'organiser un colloque au Sénat pour le faire. Le président Larcher avait même accepté de le conclure. Le sort, les grèves, la pandémie ont empêché que ça se fasse. Donc un grand merci à l'Institut catholique d'avoir accepté que ce mardi soit le cadre de cette restitution et au cluster maritime français du soutien qu'il nous a apporté pour son organisation. Il y a 25 ans, le 16 novembre 1994, l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite de Montego Bay, permet à la France de se prévaloir de droits souverains sur de vastes espaces, de sorte qu'aujourd'hui, certains croient ou feignent de croire que la France, essentiellement au travers de ses outre-mer, serait propriétaire de quelque 11 millions de kilomètres carrés d'océan, 3% de sa surface totale. Vous qui suivez les travaux de l'IFM, vous le savez bien, nos droits ne sont pas ceux de propriétaires. Et si nous voulons les exercer et demain peut-être les justifier et les conserver, nous devons d'abord nous montrer vraiment responsables de nos espaces maritimes. L'IFM, lors de ses colloques de 2015 et 2017, a développé ses points et a proposé de nouvelles gouvernances qui, sans remettre en cause les accords existants, permettent par le ralliement à un principe moral, à une vision renouvelée, de répondre plus vite à l'urgence. Le renforcement de la gouvernance internationale au travers de nouveaux textes contraignants prend aujourd'hui des décennies. Ça fait plus de 10 ans que les réflexions préliminaires sur l'accord BBNJ ont débuté. Il nous faut aller plus vite. Et aller plus vite, c'est prendre conscience, c'est s'engager volontairement, c'est faire des bilans réguliers, c'est adapter des politiques aux réalités, et c'est souvent le dispositif adopté par les COP, par les conférences des parties relatives aux grands accords internationaux. Il y a maintenant un peu plus de 18 mois, à l'initiative de Catherine Chabot, avec Françoise Gaille, avec Jean-Louis Fillon, nous avons lancé un appel à la mobilisation générale pour que l'océan soit reconnu comme bien commun de l'humanité.
Nous avons travaillé à préciser encore les notions et à convaincre, avec le soutien dès l'origine de coureurs au large, de l'intérêt marqué du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et de celui de la transition écologique et solidaire, avec la mobilisation de parlementaires et de la société civile, avec vos encouragements, monsieur l'ambassadeur chargé des océans, cher Serge. Et en décembre dernier, aux Assises de l'économie de la mer à Montpellier, le président de la République a présenté la stratégie maritime qu'il entend porter pour la France. Il a fait de l'océan bien commun de l'humanité le premier objectif et le premier pilier de cette stratégie. Il en a développé les principales conséquences en termes de responsabilité collective et individuelle, de négociations européennes et internationales, de recherche scientifique, de protection, d'utilisation durable, de partage des données et des bénéfices. Il a dit sa volonté de faire de l'océan bien commun un socle de la grandeur maritime de notre pays. Alors, me direz-vous, pourquoi est-ce qu'il faut encore tenir ce colloque ? Oui, bien sûr. Simplement, au lieu de nous demander si le bien commun peut être le fondement de la stratégie maritime de la France, nous allons nous interroger plus sur le comment. Nous allons vous proposer de laisser temporairement de côté le rôle que doit jouer la société civile, celui que chacun d'entre nous, comme citoyen du monde, doit jouer, celui que les entreprises, poussées par leurs responsabilités sociétales, aiguillonnées par leurs clients, doivent jouer pour que l'océan soit un bien commun. Nous allons nous pencher plus spécifiquement sur l'action de la France et sur ce qu'elle peut et doit faire avec, dans et pour les 11 millions de kilomètres carrés de ses eaux sous juridiction pour être à la hauteur de ses ambitions et de son rang de puissance maritime. Je vais passer la parole à Jean-Louis Fillon, délégué général de l'IFM, pour qu'il nous brosse un tableau de nos travaux, puis au professeur Beurrier, à Serge Segura et au contre-amiral Postec, qui illustreront ses propos avant que Jean-Louis nous dise les conclusions et préconisations auxquelles l'IFM est arrivé. Nous pourrons alors échanger, vous pourrez poser les questions sous forme écrite. Je vous demanderai des questions concises, de sorte que nous puissions les reprendre par oral avec Christian Buchet pour les présenter à nos intervenants. Je veux tout de suite excuser Jérôme Bignon, qui devait également intervenir lors de notre soirée et qui malheureusement a un souci de santé qui fait qu'il ne se sent pas suffisamment en forme pour participer, mais qui est dans l'assistance et que je salue très amicalement en regrettant vraiment qu'il ne puisse intervenir. Voilà, je vais passer la parole à Jean-Louis, mais comme il est de tradition que je présente nos orateurs, bon, je ne vais pas le faire sous la forme développée habituelle que vous connaissez, mais je ne vais tout de même pas vous laisser la parole à nos intervenants sans dire deux mots sur qui ils sont. Donc, Jean-Louis Fillon, commissaire général de la Marine, vous avez navigué, vous avez été chargé de ressources humaines et de formation, vous avez occupé les responsabilités juridiques et opérationnelles, notamment comme chef de bureau du droit de la mer de l'état-major de la Marine et comme adjoint du préfet maritime de la Méditerranée. Vous avez ensuite enseigné le droit de la mer aux universités de Nice et de Toulon. Vous êtes membre de l'Académie de Marine et depuis 10 ans, délégué général de l'Institut français de la mer, votre plus beau titre certainement. À ce titre, vous animez nos groupes de travail principalement centrés sur le droit et la gouvernance de la mer ainsi que sur l'impact des questions environnementales. Jean-Louis, merci pour tout cela. Et puis Jean-Louis, vous avez la parole. Merci beaucoup, Aude. Je lance mon PowerPoint, partage d'écran. Le voilà. Et nous y voici. Voilà, bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, très heureux d'être devant vous après ces deux tentatives de tenir un colloque. Nous le faisons suivant les modalités actuelles qui, pour difficiles qu'elles soient, ont quand même le mérite de nous permettre de présenter nos travaux en compagnie du professeur Beurrier, de Serge Segura, de l'amiral Postec, et je regrette beaucoup que Jérôme Bignon, qui devait nous parler des aires marines protégées, ne soit pas là pour le faire. Vous le savez, la France est fière du deuxième rang mondial de son espace maritime, mais force est de constater qu'aucune stratégie globale ne lui est associée. Depuis le rapport Poséidon de 2006, toutes les contributions, et elles sont nombreuses, présentent des traits communs. Elles procèdent pour l'essentiel d'une analyse par le haut, mais l'objectif visé est principalement métropolitain, et s'inscrit dans la politique maritime de l'Union européenne. Elles sont le produit d'une approche bureaucratique, sans grande concertation avec les territoires, il faut bien le reconnaître. Leur prégnance écologique est forte,
illustrée par la création à grande échelle d'aires marines protégées. Et je regrette à nouveau l'absence de Jérôme Bignon. Enfin, ces politiques ou ces ouvrages consacrés aux politiques ne prennent pas en considération la dimension de notre espace et surtout la disproportion marquée entre les zones économiques exclusives métropolitaines et ultramarines dans un rapport de 1 à 20. Alors, l'immensité de cet espace maritime devrait être une source non pas de vanité, mais de mobilisation pour relever ces multiples défis, explorer, exploiter les ressources et protéger l'environnement. Comme Eudes de Riblier vient de vous le dire, l'Institut français de la mer a réuni un groupe de travail, ce en 2018, pour se confronter à un exercice difficile, celui de définir une stratégie maritime à la hauteur de ces 11 millions de kilomètres carrés. Nous avons mené nos investigations tous azimuts, car l'unité de l'espace marin aurait rendu artificielle une approche trop juridique. Nous avons donc pris en considération les eaux intérieures jusqu'à la haute mer. Nous avons aussi abordé tous les sujets, politique, environnement, économie, sciences, stratégie, institutions et diplomatie. Nous avons enfin adossé notre étude aux zones maritimes au sens du Code de la Défense parce qu'elles constituent l'assise territoriale de l'organisation de l'État en mer, avec en métropole trois zones, Manche-Mer du Nord, Atlantique et Méditerranée, Outre-mer, cinq zones, Antilles, Guyane, sud de l'océan Indien, Polynésie et Nouvelle-Calédonie. Je vous présenterai tout d'abord très succinctement le résultat de nos travaux pour les deux zones d'application de notre méthode, à savoir la Nouvelle-Calédonie et la Méditerranée. Puis je reviendrai vers vous, donc, comme l'a annoncé en fin de colloque, pour vous dégager pour vous quelques enseignements et faire quelques propositions, au nom de l'Institut français de la mer, bien sûr. Alors, nos deux zones d'études sont deux espaces contractés, le premier métropolitain de faible dimension, surfréquenté, soumis à des pressions environnementales comme géopolitiques majeures, vous avez reconnu la Méditerranée, le deuxième est ultramarin, caractérisé par une gouvernance en plein bouleversement, ce n'est pas terminé d'ailleurs, et dans un contexte international relativement détendu, mais qui est très évolutif. La Nouvelle-Calédonie, par laquelle nous allons maintenant commencer en leur passant au crible de quatre rubriques. Ce qui frappe, c'est la vacuité de l'espace maritime des Calédoniens. Il y a peu de navigation, mais une forte sensibilité économique, une forte sensibilité à la sécurité maritime et écologique du lagon de la Grande-Île. D'où la mise sous protection de 90% de l'espace maritime pour constituer ce que l'on appelle le parc naturel de la mer de Corail. S'agissant de la gouvernance, on remarque que le statut d'autonomie du territoire a généré un système d'administration maritime en millefeuille, dirons-nous, très complexe. Tous les intervenants, en effet, sauf peut-être la Marine nationale, obéissent à diverses autorités locales, elles-mêmes en interaction permanente. Le potentiel économique est prometteur, en ressources minérales et biologiques, mais qui reste largement à découvrir et a fortiori à exploiter. Quant au contexte international, il est pour le moment calme, les espaces maritimes calédoniens permettent une stratégie d'influence pour la France qui s'appuie sur la protection des personnes, le sauvetage en mer, pour être concret, et sur la préservation du milieu marin. Les ambitions extérieures, notamment chinoises, confèrent à ces espaces et aux bases militaires françaises une importance stratégique. Alors, je vous propose quatre conclusions pour la Nouvelle-Calédonie. 1. Les eaux et fonds marins sous juridiction française sont des espaces d'une grande sensibilité écologique et qui recèlent un potentiel économique certain. Leur développement durable est un défi majeur, mais c'est un défi qu'il faut relever. 2. Ces perspectives
sont prometteuses, mais elles supposent une gestion rigoureuse des moyens et un renforcement des outils de connaissance et de surveillance, ainsi que de protection. Mais la complexité de l'administration maritime pourrait compromettre toutes ces promesses. Il faut donc remettre à plat l'administration maritime du territoire. 3. L'instauration du parc naturel de la mer de Corail renforce incontestablement la crédibilité de la voix de la France dans les instances régionales et internationales. C'est une politique à approfondir et c'est une politique exemplaire. 4. Les ambitions de puissance, notamment chinoises, confèrent à ces espaces et aux bases militaires une importance stratégique et militent pour un renforcement des structures politiques régionales de coopération. J'en viens maintenant à la Méditerranée, toujours avec les mêmes 4 rubriques. La Méditerranée est une mer semi-fermée, sans marée, qui est incontestablement malade de la surpêche et de la pollution tellurique venant principalement des États du Sud. La faible dimension du bassin et les risques liés à une forte navigation hypothèquent son avenir. Le littoral français subit une forte pression anthropique et l'espace maritime est donc marqué par une forte sensibilité environnementale qu'illustre le nombre très important des aires marines protégées que vous avez en projection sur cette carte et vous voyez notamment la part très importante que prend la Corse dans le nombre d'aires marines protégées. Il faut aussi noter que les eaux intérieures du littoral continental, c'est-à-dire les étangs, ont une forte valeur environnementale et économique. L'organisation administrative française est dense et concentrée. On note avec plaisir que les élus méditerranéens sont de plus en plus sensibles aux questions maritimes, économiques et environnementales, mais il faut aussi le reconnaître à travers un prisme qui est essentiellement littoral. Le fort potentiel économique repose notamment sur une activité portuaire dont les marges de croissance sont encore prometteuses. Il faut aussi noter que l'industrie de la grande plaisance est en plein essor et qu'elle a permis de redonner vie à des chantiers navals. Je note en particulier celui de la Ciotat. Les activités touristiques sont un atout majeur, alors que l'éolien flottant, ici comme ailleurs, est encore un espoir prometteur. Notons aussi au plan économique que la marine nationale est un atout et un facteur d'entraînement primordial, en particulier au plan technologique. Quant au contexte international, il faut noter à cet égard que le port militaire de Toulon est un atout stratégique majeur. Les menaces pour la sûreté maritime venues de la Méditerranée sont, vous le savez, importantes, mais la France dispose d'une organisation qui assure un continuum sécurité et défense bien adapté, couplé à un dispositif de surveillance maritime performant. La zone économique exclusive en Méditerranée que la France a décidée en 2012 a fait naître de nouveaux différends de délimitation avec les États riverains, à commencer par l'Espagne. Cependant, la France est au cœur d'une coopération régionale extrêmement vivante, extrêmement forte, dans nombre de domaines, dont la sécurité maritime et la lutte contre les pollutions, mais aussi dans les domaines politiques, et cela permet d'équilibrer les relations entre les deux rives. Alors, je vais aussi vous proposer 4 conclusions pour la Méditerranée. 1. Le développement de la coopération avec la rive sud de la Méditerranée est un axe très important. Il faut regarder la Méditerranée comme un bien commun, contribuant ainsi à résorber les fractures économiques, sociales et culturelles entre le nord et le sud. 2. La vocation de la zone économique exclusive française en Méditerranée entre exploitation et protection doit être précisée. La rareté des ressources et la situation écologique difficile militent pour que la protection soit privilégiée et fasse l'objet d'une gestion partagée avec les pays voisins, ce qui permettrait de réduire les tensions nées des différends, entre autres, de délimitation. 3. La France devrait pousser
Beaucoup plus, l'Union européenne a une pêche responsable dans l'ensemble des eaux sous juridiction européenne, quitte à prendre les mesures importantes d'accompagnement pour les pêcheurs. Enfin, toutes les perspectives de coopération maritime ne sauraient être crédibles sans un outil de contrôle, de surveillance et d'action qui soit à la hauteur des menaces et des risques, notamment en matière de terrorisme et de crise migratoire. Voilà, j'en ai terminé pour la première partie de mon exposé et je vais maintenant passer la parole au professeur Beurier qui va nous entretenir sur les espaces français d'outre-mer. Le professeur Beurier qui est professeur émérite à l'Université de Nantes, mais je vais laisser à Eud le soin de le présenter de façon un peu plus complète. Merci. Merci beaucoup Jean-Louis, bravo pour cet exercice que nous vous avons demandé, qui était un exercice redoutable. Oui, voilà, c'est parfait. Vous avez réussi à quitter le PowerPoint. Nous devons demander à Jean-Louis un exercice redoutable qui était de faire une synthèse en aussi peu de temps de travaux tout de même longs et délicats. Oui, professeur Beurier, dont j'ai perdu la vignette, mais ce n'est pas grave, il est sûrement encore là. Vous êtes docteur en droit, vous êtes professeur émérite à l'Université de Nantes. Vous avez été directeur du Centre de droit maritime et océanique de cette université. Vous avez été fondateur du pôle mer et littoral de Nantes, directeur de l'Institut d'études marines de Brest, membre du Conseil européen du droit de l'environnement, consultant des Nations unies. Vous êtes plongeur professionnel de classe 2. Vous êtes opérateur radio de la marine. Vous êtes plaisancier et vous êtes amoureux de la mer. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur le droit international de l'environnement et le droit international de la mer. Et vous avez la parole. Merci d'être là parmi nous ce soir. Merci, Monsieur le Président. Parfait. Voilà. En ce qui concerne les espaces marins français d'outre-mer, il y a des problèmes soit de reconnaissance, soit de contestation. Le concept de zone économique exclusive a été acté très tôt lors des travaux de la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer, ce qui a eu pour conséquence immédiate de donner une importance considérable aux îles. C'est pourquoi leur régime juridique a fait l'objet d'un article, l'article 121 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Mais le groupe des États en développement, en réaction, a cherché à limiter l'extension des compétences économiques des grandes puissances maritimes du fait de leurs îles lointaines. Et du coup, on aboutit à un article fondamental en trois paragraphes. Le premier paragraphe, c'est une évidence. Le deuxième paragraphe, c'est la conséquence directe de cette évidence. Par contre, le paragraphe 3 va poser problème. Les rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre n'ont ni zone économique ni plateau continental. Il est évident que c'est une règle absconse et à portée uniquement politique. Et du coup, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'un rocher, une habitation, une activité économique? Est-ce qu'un îlot habitable doit forcément être habité ou est-ce qu'une activité économique peut être présente ou future? En tout cas, et immédiatement, bien avant l'entrée en vigueur de la Convention, de très nombreuses revendications ont été faites autour des îles et des moindres îlots où les États exerçaient leur souveraineté. On peut dire que ça a été la ruée vers les îles. Du coup, il fallait une clarification nécessaire, et notamment avec l'entrée en vigueur de la Convention de Montego Bay en 1994. Un seul exemple d'une application volontaire du paragraphe 3, c'est le Royaume-Uni,
à propos de Rocol. Rocol, qui est l'archétype de ce que l'on peut appeler un rocher, 27 mètres d'altitude, situé à 100 milles dans l'ouest des Hébrides extérieures. Les Britanniques avaient étendu une zone économique exclusive autour de ce rocher. Et en 1994, comme ils avaient ratifié la convention, ils sont revenus sur leurs prétentions et ils ont abandonné la reconnaissance d'une zone économique autour de Rocol. En fait, cette revendication, cet abandon de revendication ne leur coûtait pas grand-chose dans la mesure où Rocol est situé dans la zone économique de l'archipel britannique. Alors, la première affaire judiciaire qui nous intéresse, c'est une affaire de 1993 de la Cour internationale de justice à propos de l'île Jan Mayen, qui est située au 71e parallèle nord, 8,20 degrés de longitude ouest, au large des côtes du Groenland oriental. 50 km de long quand même. Et la Norvège y entretient une importante station météo. Et le Danemark contestait à la Norvège la possibilité d'étendre une zone économique autour de Jan Mayen. La Cour internationale de justice s'est prononcée et a reconnu que cette prétention était recevable, car, dit l'article 80 de l'arrêt, il n'y a pas lieu de considérer qu'un faible peuplement ou des facteurs économiques constituent des circonstances à prendre en compte. C'est un premier point fondamental pour l'application modérée de ce paragraphe 3. Le deuxième exemple date de 2012. La Cour internationale de justice a été amenée à se prononcer dans l'affaire Nicaragua contre Colombie en mer des Antilles. En effet, la Colombie dispose non seulement d'îles, mais aussi de cailles, c'est-à-dire de récifs de corail, dans la zone qui jouxte directement ces territoires. Aussi, la Cour internationale a tranché en reconnaissant pour les îles Santa Andrés, Providencia, Santa Catarina, la possibilité de disposer d'une zone économique que l'on voit là à l'intérieur du trait rouge, mais au nord, sur les cailles, sur les récifs de corail, alors la Cour internationale n'a reconnu que la possibilité de disposer de mers territoriales. Et ainsi, Quitasueno ou Serrana ne peuvent pas disposer de zones économiques. Le cas français maintenant, les fameux 11 millions de kilomètres carrés. Alors, tout le monde connaît bien sûr cette carte, je la montre juste pour son intérêt sur le plan politique, ce qui fait que la France est présente dans 4 océans et c'est le seul État à avoir des espaces aussi variés dans l'ensemble du monde. En ce qui concerne les départements et régions d'outre-mer, pas de contestation réelle, sauf le problème de la souveraineté sur Mayotte. Les zones économiques font l'objet d'accords avec les États voisins sans vraiment de problème. Je préfère quand même parler d'un exemple tout à fait particulier, c'est le cas de l'îlot de Aves. Aves est situé à 120 milles dans l'ouest de la Guadeloupe, tout à fait au nord du Venezuela. Sous souveraineté vénézuélienne, il s'agit d'une langue de sable de 400 mètres de long, de 15 mètres de large. Sur le plan juridique, on peut vraiment la qualifier de rocher, même si elle est constituée de sable. Eh bien, grâce à cette langue de sable, le Venezuela peut alors prétendre à une zone économique considérablement étendue, et même au détriment de la possibilité d'extension vers l'ouest de la zone économique de Guadeloupe. Eh bien, la France a accepté
cette revendication du Venezuela. Voyons maintenant les souverainetés contestées ou reconnues. Alors, le problème de Mayotte, territoire au regard de l'ONU non décolonisé malgré 3 référendums, mais ça n'a pas eu un grand impact dans la mesure où la France a étendu une zone économique et même un parc marin en 2010 sur l'ensemble de cette zone. Clipperton, l'atoll de Clipperton, lui aussi a fait problème. Il y a les seuls véritables habitants qui ont séjourné, ce sont des ouvriers mexicains qui extrayaient le guano pour le compte de la France. Et donc, les Mexicains avaient prétendu que, du fait de la présence de ces ouvriers, eh bien, ils pouvaient revendiquer la souveraineté. L'arbitrage du roi d'Italie en 1931 avait reconnu la souveraineté de la France. Aujourd'hui, Clipperton est rattaché au domaine public de l'État. Longtemps contesté par le Mexique, mais qui finalement a accepté un accord de pêche avec la France, ce qui est, sans le dire, reconnaître la souveraineté française. Voilà Clipperton, atoll fermé, difficile d'accès. Malheureusement, son éloignement est tel que des côtes est tel que les ressources sont pillées et même il sert de temps en temps à des escales de narcotrafiquants. Les terres australes, or, ils éparses. La souveraineté n'est pas contestée et même ces îles ont donné lieu à un accord extrêmement intéressant en 2007 entre la France et l'Australie sur la délimitation de leur zone économique entre Kerguelen et Heard et MacDonald. Voilà Kerguelen, c'est grand comme la Corse. Voilà Port-au-Français. Voilà Heard, l'île australienne. Et voilà les zones économiques d'Australie au sud, de la France au nord. La délimitation qui date de cet accord, non seulement a permis aux deux États de limiter les possibilités de distribuer des licences de pêche, mais aussi a permis une police croisée, c'est-à-dire que les Australiens peuvent pénétrer dans la zone économique française pour surveiller et dresser des procès-verbaux pour le compte de la France, et vice-versa pour la France, ce qui, dans ces zones où si éloignées de terres habitées et si difficiles d'accès, eh bien, ça permet d'avoir une surveillance, car il y a eu beaucoup, il y a encore un pillage des ressources, notamment pour les légines, j'y reviendrai. En ce qui concerne les îles éparses, la situation est plus difficile. En effet, elles étaient administrées par Madagascar Indépendance pendant la colonisation et ce n'est que 3 mois avant l'indépendance que la France a rattaché ces îles à la Réunion, ce qui était un peu agité, un chiffon rouge devant les Malgaches. Et à l'heure actuelle, elles sont rattachées aux terres australes et antarctiques françaises depuis 2007. Alors là, vous voyez la carte globale. On voit qu'au-dessus de la Réunion, il y a l'îlot de Tromelin dont il sera question dans l'exposé suivant. Et moi, je vais parler des îles du canal de Mozambique. Ici, la Grande Glorieuse, la Juan de Nova, la Europa et Tromelin, dont il sera question tout à l'heure. Dans l'autre côté du Pacifique, les îlots de Matthew Hunter et les Chesterfield. La France a rattaché ces îlots à la Nouvelle-Calédonie. Et en ce qui concerne Matthew et Hunter, au moment où il y a eu la création du Vanuatu après le condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides, les Anglais, eux, avaient rattaché les Nouvelles-Hébrides au Vanuatu. Si bien que maintenant, le Vanuatu revendique Matthew et Hunter. Cependant,
c'est la France qui a fait acte de possession et qui débarque occasionnellement dans ces îles, là aussi assez difficiles d'accès. Par contre, il n'y a pas de contestation pour les Sestorfis. Voilà la carte telle que vous l'avez vue présentée par le commissaire général Fillon. À l'extrême orient, au-dessus de la fosse des Nouvelles-Hébrides, on voit Matthew et Hunter. Et à l'extrême occident, on voit au milieu de la mer de corail les Chesterfield. Voilà Matthew, voilà Hunter, et voilà les Chesterfield, avec le petit panneau d'accueil sur le territoire français. Venons-en à la contestation de droits exclusifs. La première contestation fut présentée par les Canadiens à propos de la zone économique française de Saint-Pierre-et-Miquelon. La France est partie à l'arbitrage, je pense que ça a été une erreur. En tout cas, cet arbitrage de 92 fut catastrophique, même si sur le plan des principes, on a eu raison, mais le résultat est tout à fait dommageable. Par contre, il y a eu aussi une revendication d'application du paragraphe 3 de l'article 121. C'est une affaire qui ne manque pas de sel. C'est une affaire d'un délit de pêche illégale par un navire, l'Explorer, qui a été pris par les navires de la Marine nationale en flagrant délit de pêche illégale à la Légine dans la zone de Kerguelen. Et le capitaine, sans sourciller, a dit « Mais Kerguelen, c'est un rocher, il n'y a pas de population réelle, il n'y a pas d'activité économique, donc il n'y a pas de zone économique possible. » La Cour de cassation a balayé, bien sûr, les arguments d'un revers de main, et même la commission de pêche, qui est la camélare dans toute la zone australe, a accepté dès 1980 que la France et l'Australie adoptent dans leurs zones économiques des mesures plus contraignantes que celles de la Commission, c'était par là même reconnaître, bien sûr, la zone économique de ces deux États. Depuis cette affaire, plus de remise en cause des zones économiques dans les terres australes françaises. Pas de zone économique au large de la Terre AD. Donc, le régime est globalement stabilisé. Conséquence. Eh bien, au regard de la jurisprudence de la Cour internationale de justice et de la pratique étatique, on peut distinguer trois catégories d'îlots. Ceux faciles d'accès, qui ont des pistes d'aviation, des bâtiments en dur, du personnel temporaire ou permanent. Ceux plus difficiles d'accès, sans pistes ni bâtiments, et puis les hauts fonds, couvrants et découvrants. Alors, aucune des possessions des deux premiers groupes ne peuvent être habités sans ravitaillement extérieur. Mais dans ce cas, si on conteste cela, de très nombreuses îles habitées en permanence sur les cinq océans ne pourraient pas avoir de zone économique et beaucoup de ces îles appartiennent à des États en développement. Dès lors, on peut dire que les revendications des îles et îlots du premier groupe correspondent à la jurisprudence de la Cour internationale. Pour le deuxième groupe, ces îlots pourraient être habités et faire l'objet d'activités économiques. L'application du paragraphe 2 m'apparaît tout à fait possible. Bien sûr, le paragraphe 3, le troisième groupe, ne rentre pas dans le cadre du paragraphe 2. Conclusion de tout cela, il y a bien sûr plusieurs interprétations du paragraphe 3 avec des conflits potentiels, mais de solides arguments pour que les possessions françaises restent dans le cadre du paragraphe 2. De plus, la France a instauré pratiquement partout des régimes juridiques de protection de l'environnement sous forme de réserves ou de parcs. Or, à l'heure actuelle, l'ONU cherche à développer les aires marines protégées et encourage les États à le faire. Or, on est très très loin des pourcentages demandés par l'ONU. Donc, la remise en cause de ces statuts apparaît tout à fait difficile. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Jean-Louis, oui. Je vous laisse.
Oui, merci beaucoup, monsieur le professeur. Je me démasque. Je voulais passer inaperçu. Merci beaucoup, monsieur le professeur, de cet exposé extrêmement riche et qui va être maintenant complété par une approche diplomatique, mais il y a beaucoup de connexité entre ces deux exposés. Celui que va nous faire notre ambassadeur chargé des océans, Serge Segura, qui va maintenant nous entretenir de coopération régionale et de souveraineté. Mais je laisse auparavant à eux le soin de mieux présenter, de plus présenter Serge Segura. Il le mérite. À vous. Cher Serge, monsieur l'ambassadeur, entré au ministère des Affaires étrangères en 1980, vous avez été en poste en Europe et en Afrique. Vous avez été ambassadeur au Mozambique de 2012 à 2015. Vous êtes spécialiste en droit international de la mer et en droit polaire. Vous avez été en poste à deux reprises à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, où vous avez occupé en particulier les fonctions de sous-directeur du droit de la mer, du droit fluvial et des pôles. Depuis 2015, vous occupez la fonction nouvellement créée d'ambassadeur chargé des océans. À ce titre, vous représentez la France dans les négociations du nouvel accord sur la haute mer et vous mobilisez toute la communauté maritime autour de ces enjeux. Vous avez, cher Serge, fait un travail tout à fait remarquable pour écouter, comprendre, expliquer, proposer, de sorte que les positions françaises soient celles des Français, des intérêts des Français et du bien commun, et que ces positions soient présentées et écoutées par tous nos partenaires, à défaut d'être encore adoptées puisque les négociations continuent. Donc merci pour tout cela, Serge, et puis merci pour votre présence parmi nous ce soir. Vous avez le micro. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez. Tout à fait. Vous allez très vite vous rendre compte que cette spécialisation en droit de la mer n'est pas une spécialisation en informatique. Je vais, tout en remerciant l'Institut catholique et l'Institut français de la mer de son invitation à intervenir ce soir, je vais tenter de partager mon écran, ce qui ne saurait tarder. Alors, je vais voir. Ma femme est à Nantes, ou va arriver à Nantes récemment. Vous allez la voir ce soir. Je n'ai pas disparu, hein, je vous rassure. J'essaie simplement de manipuler ces choses-là. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Pas encore, mais c'est imminent. Non. Bon, écoutez, c'est très ennuyeux, puisque moi, j'ai mon PowerPoint et je ne parviens pas à vous le transmettre. Alors, non, je ne vois pas comment faire. Tout se dérouler normalement. Est-ce qu'il serait possible peut-être de passer à l'intervention qui devait suivre? Et pendant ce temps, je vais essayer de me reprendre de sorte à pouvoir passer mon PowerPoint. Alors, l'intervention qui suit et qui va permettre à Serge de récupérer son PowerPoint, c'est celle de l'amiral Postek. L'amiral Postek est directeur du Centre d'études stratégiques de la Marine. Et je laisse, comme d'habitude maintenant, le soin à eux de le présenter. Vous avez coupé votre micro, on ne vous entend pas. Oui, ben je vais reprendre mon micro. Voilà, ah oui, parce qu'on n'a rien entendu et je suis sûr que ça vaut le coup. C'est mieux avec micro, c'est vrai. Amiral, à votre sortie de l'école navale, vous choisissez de servir au sein des forces de surface avec la spécialité de détecteur. Vous commandez diverses unités de surface ainsi que le centre opérationnel de la marine à Brest en 2008-2009. Vous avez servi auprès du président du comité militaire de l'Union européenne, à l'ambassade de France à Washington en tant qu'attaché naval, à l'ambassade de France à Singapour comme attaché de défense.
Vous dirigez depuis 2018 le Centre d'études stratégiques de la Marine. Vous êtes délégué au rayonnement de la Marine et vous commandez la Marine à Paris. Vous êtes ce qu'on appelle le Comar Paris. Vous êtes breveté du Collège interarmées de défense et titulaire d'un Master of Science en stratégie de sécurité nationale du National War College de Washington. Et vous avez la parole. Merci, amiral, d'être parmi nous ce soir. Bien, merci, Monsieur le Président. Merci de votre invitation. Alors, je vais à mon tour tenter de partager mon écran. Voilà, vous me direz si vous arrivez à le voir. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, tout d'abord, une carte pour vous montrer l'étendue, enfin, les grands espaces auxquels les marins doivent faire face. Vous voyez, pour aller de Toulon jusqu'aux Antilles, il y a 4 milles nautiques, soit à peu près près de 2 semaines de mer pour un porte-hélicoptère amphibie, d'où la nécessité, bien sûr, d'avoir des moyens prépositionnés pour intervenir le plus rapidement possible. À plus forte raison, dans le Pacifique, en océan Indien, vous voyez à nouveau les distances entre Tahiti et Clipperton, dont il a été question tout à l'heure, 2900 nautiques, ça représente 10 jours de mer pour un patrouilleur. Et une frégate met à peu près 6 jours, une petite semaine, pour se rendre de La Réunion jusqu'à la zone des Kerguelen. Et on est à peu près qu'en ligne droite, un jour de mer, ça correspond à peu près à une heure d'avion. Donc, nécessité des moyens prépositionnés. Alors, quels sont-ils et où sont-ils? Vous voyez d'abord qu'ils sont partout. Ils sont nombreux et ils sont variés. Alors, variés, on a d'abord des moyens maritimes, bien sûr, des moyens maritimes hauturiers, que sont les frégates de surveillance, les BSAOM, les bâtiments de soutien et d'assistance outre-mer. Vous aurez l'occasion de les découvrir ensuite dans le fil de la présentation, et des patrouilleurs, principalement. Moyens maritimes côtiers également, avec des vedettes côtières, des vedettes de gendarmerie maritime en particulier, et puis des petits remorqueurs qui peuvent mener des missions dans les eaux territoriales et un petit peu au-delà. Moyens maritimes, mais aussi également moyens aériens, avec des avions de surveillance et de patrouille maritime basés à terre. Et des hélicoptères, alors basés à terre également pour du sauvetage, des missions de sauvetage maritime à proximité des côtes, mais également des hélicoptères embarqués, en particulier à bord des frégates de surveillance. J'ajoute que ces moyens de la marine donc, sont outre-mer, à côté, et travaillent avec des moyens de l'armée de terre et de l'armée de l'air, ainsi que des moyens de, bien sûr, d'autres administrations. Et leur mission, alors nous allons voir quelles sont leurs missions, mais la première, et on a bien compris dans l'exposé précédent que c'est une mission essentielle, c'est d'assurer la souveraineté, bien sûr, française dans nos espaces maritimes et outre-mer. Un petit mot sur les moyens à venir, parce que certains des moyens de la marine outre-mer étaient un petit peu vieillissants. Donc, un programme de renouvellement a été prévu par la loi de programmation 2019-2025, avec notamment le programme des patrouilleurs outre-mer. 6 patrouilleurs outre-mer, ce sont des bateaux qui font à peu près 1300 tonnes, qui sont capables d'embarquer un drone, donc des moyens hauturiers, et qui viendront à l'horizon 2025, 2 basés à La Réunion, 2 à Tahiti et 2 en Polynésie. Mais également des moyens aériens, programme AVSIMAR, avions de surveillance et d'intervention marine, qui seront, dont les 5 premiers sur un programme de 12 avions seront déployés outre-mer pour remplacer les avions de patrouille maritime dont on a parlé tout à l'heure. Donc ces deux slides pour vous montrer que tant dans le domaine maritime naval que dans le domaine aérien, la loi de programmation militaire donne une large place aux moyens qui seront consacrés aux missions de la marine à l'outre-mer. La recherche de ce les missions, elles sont à peu près partagées par l'ensemble de toutes nos ADE, oui. Tous nos territoires, nos départements, régions et communautés d'outre-mer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de mission spécifique à un endroit ou à un autre. Et on trouve en premier lieu, bien sûr, la police des pêches.
Nos ZEE sont riches en ressources halieutiques, mais ces ressources doivent être surveillées. Oui, sauf que je ne parviens pas à remettre ma vidéo. J'ai pris l'exemple ici de la Guyane, mais à nouveau, on pourrait. Les missions de police des pêches sont menées, bien sûr, dans les terres australes, bien sûr, dans la ZEE de Polynésie. Vous remarquez sur la photo de gauche que l'équipe qui intervient à bord d'une tapouille, un bateau de pêche brésilien qui pêche illégalement dans les eaux guyanaises, eh bien, cette équipe ressemble assez fortement à un commando marine en tenue de combat avec des casques. C'est parce que ces missions sont vraiment des missions de vive force. On a affaire en général à forte partie, à beaucoup de résistance. Ça n'était pas le cas auparavant, ça l'est maintenant, et ce sont des missions qui sont vraiment des missions militaires. Bien sûr, la gendarmerie maritime participe également à ces missions, ainsi que d'autres services de l'État. La marine n'est pas seule à intervenir, mais elle intervient pour une large part. Et vous voyez à droite du slide la photo d'une embarcation qui est un des bâtiments les plus hautement spécialisés de la marine nationale. C'est une embarcation en remonte-filet, une ERF, la Kawan, puisque l'un des modes d'action contre la pêche illicite, ça consiste à saisir tout simplement les filets des pêcheurs, les filets dérivants. Vous voyez des chiffres qui ont été donnés à titre d'exemple pour 2019, 243 km de filets qui ont été saisis. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que finalement, on attaque les trafiquants au portefeuille. Un mètre de filet, ça coûte à peu près 1 euro, donc 1 km, 1 000 euros. Voilà, il y en a pour 243 000 euros de filets qui ont été saisis. Les vessies natatoires aussi, alors 600 kg de vessies natatoires, pourquoi? Parce que les vessies natatoires, elles sont très prisées, elles sont séchées, elles sont vendues à près de 200 euros le kilo dans beaucoup de pays asiatiques, où on leur prête des vertus assez comparables à celles de la corne de rhinocéros. Et donc, c'est l'objet d'un trafic vraiment très important. Les pêcheurs prélèvent les vessies natatoires des poissons et parfois les rejettent à l'eau, et c'est un véritable pillage. Donc, voilà. Autre mission importante qui concerne pratiquement aussi toutes les zones, c'est la lutte anti-drogue. Là, j'ai pris l'exemple des Antilles. Là encore, aux Antilles, donc c'est principalement un trafic de cocaïne sur un flux sud-nord entre l'Amérique du Sud et les États-Unis, ou un trafic qui part aussi vers l'est, vers les côtes africaines, avant de remonter vers l'Europe. Mais également maintenant des flux qui vont vers l'ouest et qui passent, on en a parlé tout à l'heure, par Clipperton, mais aussi par les îles de la Polynésie française. Donc là, on intervient dans les Antilles, on intervient avec nos moyens qui sont basés sur place et en coordination assez étroite avec des moyens d'autres marines européennes, en particulier la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, bien sûr, puisqu'ils sont présents. Bon, riverains également de cette zone, mais surtout avec des moyens américains. Il existe à Key West, dans le sud de la Floride, un centre de coordination de tous les moyens qui sont déployés dans la zone afin d'avoir une plus grande efficacité des moyens. Donc, des quantités de drogue très importantes sont très régulièrement saisies. On mène des actions comparables en océan Indien, où là, le trafic est plutôt un trafic d'héroïne et de hashish, mais également plus près de chez nous, en Méditerranée, ou bien sûr, maintenant, à proximité de la Polynésie française. Voilà, lutte anti-drogue, donc, qui est un volet important, qui monopolise énormément de moyens. Lutte contre les pollutions. Vous voyez ici, sur la gauche, la photo du pétrolier qui s'est échoué sur un récif, sur le platier de l'île Maurice, dans le sud-est de l'île, près du village de Mahébourg, en juillet 2020. Et là, la France a déployé, à partir du bateau que vous voyez sur la droite, des moyens de lutte anti-pollution qui sont détaillés là. Le bateau que vous voyez sur la droite, donc, qui est le Champlain, qui est un des bâtiments très récents qui viennent d'être déployés outre-mer. Il y en a quatre, un à La Réunion, un aux Antilles, un à Tahiti, un en Polynésie et un autre en Nouvelle-Calédonie.
Bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer. Vous voyez, ça ressemble à un supply ravitaillement des installations pétrolières, avec une large plage arrière qui peut embarquer du fret logistique. C'est un bâtiment qui a des capacités de remorquage. Il y a également des ateliers à bord. Enfin, c'est vraiment un outil très multitâche, multimission et extrêmement utile dans toutes ces zones. Cela illustre aussi cette opération de lutte, d'assistance finalement à l'île Maurice. Ça illustre aussi le rôle la France peut jouer au niveau régional, parce que nos moyens servent à nos ZEE, mais elles servent aussi à nos relations internationales avec les pays riverains. Et au-delà de l'entretien des bonnes relations, et bien la France finalement joue un rôle de stabilité. La France produit de la sécurité et de la stabilité dans toutes les régions où elle déploie ses moyens. Je vais vous montrer une autre image. Il était question de Clipperton tout à l'heure. Voilà à nouveau Clipperton. Oui, c'est assez bas sur l'eau. Ça ne se voit pas de loin. Le Seachem Osprey l'a pris à ses dépens. Il s'est échoué en pleine nuit sur l'atoll de Clipperton. C'était il y a une dizaine d'années. Et là, il faut être en capacité d'agir et d'y aller. Donc, on a besoin de moyens. Des moyens qui vont tout de suite sur place pour évaluer les dégâts, apporter les premiers moyens de lutte, apporter des équipes d'évaluation, des équipes de première intervention, et puis commencer à organiser les secours qui, dans un cas comme celui-là, si j'aime Osprey, vous imaginez que ça prend du temps. Il faut faire venir des moyens importants, des moyens de sauvetage, de remorquage, de déséchouage. En l'occurrence, l'opération s'est très bien passée, il n'y a pas eu de pollution, le bâtiment a pu reprendre la mer et continuer à naviguer par ses moyens jusqu'à un port proche. Mais il faut être vigilant parce que voilà, ça se produit et donc la marine s'y prépare. Nombre de nos régions outre-mer sont dans des zones cycloniques et donc il y a souvent des phénomènes météorologiques catastrophiques. Et là aussi, les moyens de la Marine nationale sont prêts à agir pour apporter, d'abord pour lutter contre, non pas les catastrophes, mais les conséquences de ces catastrophes, bien sûr, et apporter des secours humanitaires. Ça a été le cas, c'est ce que illustre cette vue, après le passage de l'ouragan Irma aux Antilles en 2017. Et là, vous voyez que la Marine a déployé ses moyens à côté de moyens de l'armée de l'air et de moyens de l'armée de terre, parce que dès qu'on parle d'outre-mer, il faut penser également interarmée. Et tous ces moyens travaillent en complémentarité et avec une cohérence des capacités qui sont déployées par les armées dans ces territoires. Dans ce genre d'opération, qu'apporte la marine, qu'apportent les moyens navals? Eh bien, principalement la mobilité, bien sûr, la capacité d'emporter du fret et des quantités assez importantes de fret, l'endurance, et puis des moyens de navette et de communication avec la terre qui permettent vraiment d'intervenir au plus près de l'endroit où les populations ont besoin d'être secourues. Autre mission d'importance, le sauvetage en mer. Vous avez ici l'image de la zone de responsabilité de sauvetage de Tahiti, de Papeete. C'est ce qu'on appelle, on travaille en coordination avec bien sûr les autres, les pays de la région qui ont des moyens, et ça se fait dans le cadre d'une coordination donc régionale. La zone s'appelle le Joint Rescue Coordination Center de Tahiti, ce que vous voyez, la zone qui est délimitée par ces pointillés jaunes fait 14 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire plus que l'équivalent de la totalité de la ZEE française. Donc évidemment, c'est une zone qui est immense, et là, l'importance des moyens aériens est bien sûr capitale. Moyens aériens, mais pas seulement, il faut une complémentarité de moyens navals et aériens.
l'avion de patrouille maritime de surveillance que vous voyez dans le, sur la droite, est équipé de radars, d'équipements de détection infrarouge et d'une, ce qu'on appelle une chaîne SAR, c'est-à-dire une chaîne de, est capable de larguer des équipements de survie en mer, radeaux de sauvetage, avec tout ce qu'il faut à bord pour qu'un naufragé puisse survivre quelques jours, le temps que, quelques heures, dans le meilleur des cas, on espère, le temps que des moyens navals puissent venir les chercher. En haut, un hélicoptère Dauphin, spécialisé lui aussi dans le sauvetage en mer, qui opère depuis les îles et qui permet dans les espaces archipélagiques d'apporter des secours aux petites embarcations qui dans la région sont très, très nombreuses à naviguer et s'aventurent parfois assez loin, puisque les Polynésiens sont de très hardis navigateurs. Et voilà, donc des zones de sauvetage qui existent de la même manière dans les, bien évidemment dans nos autres zones outre-mer. Un petit mot sur les zones polaires, là on n'est plus dans nos O2, dans les ZEE bien sûr, mais vous avez ici cette image du Rhône. Le Rhône, c'est un bâtiment qui est un peu semblable à celui qu'on a vu tout à l'heure, le Champlain, dans le cadre de la lutte anti-pollution. Lui, c'est un BSAM, c'est-à-dire bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain, mais il se déploie, et vous voyez ici l'image d'un déploiement en mer de Baffin. Donc la mer de Baffin, c'est entre le Groenland et puis le nord-est du Canada. Il s'est déployé de là à partir de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas en zone polaire, bien sûr, puisque la latitude est à peu près celle de Nantes, mais c'est le point de départ pour aller naviguer dans ces zones arctiques. On navigue également dans le Grand Sud. Vous avez ici sur la gauche ce beau bâtiment rouge qui est l'objet de très belles photos, qui s'appelle l'Astrolabe. L'Astrolabe est le seul brise-glace français. C'est un bâtiment qui a été construit qui a été construit en France et qui a été commandé par l'Institut Paul Émile Victor et qui est exploité en partenariat entre la Marine nationale et l'Institut Paul Émile Victor. Sa mission principale, c'est de ravitailler la base, nos bases de Terre Adélie, en particulier la base du Mont d'Urville. Il opère à partir de Hobart, qui est situé en Tasmanie, dans le sud de l'Australie, mais son port base est à La Réunion. Vous voyez, entre La Réunion et Hobart, il y a à peu près 4700 nautiques, deux semaines de mer. Donc, quand la belle saison arrive dans le Grand Sud en ce moment, hein, ce qu'on appelle un petit peu par abus de langage l'été austral, donc en hiver, l'Astrolabe va se positionner à Hobart et de là il fait des rotations vers la Terre Adélie pour apporter, pour faire des rotations de personnel et puis pour apporter bien sûr du fret nécessaire aux scientifiques. C'est un bateau qui, le reste du temps, c'est-à-dire que quand la saison est moins propice aux allers-retours entre l'Antarctique et la Tasmanie, le bateau remonte à La Réunion où il participe à la surveillance des zones de la ZEE, à la surveillance des pêches. Et donc, c'est un excellent partenariat que nous avons avec… Excusez-moi, j'ai ce rôle ingrat d'être le gardien du temps parce qu'on doit terminer aux alentours, théoriquement, à 19h30. Donc eh bien, Jean… J'en ai terminé. C'était ma dernière vue. Et voilà. Voilà pour les moyens et les missions de la Marine d'Outre-mer. Monsieur le Commissaire Général, j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup, Amiral, pour cet exposé très intéressant. Eh bien, puisque Serge Ségur a déjà été présenté, peut-être pas assez, il mérite davantage, mais je lui rends la parole en espérant qu'il a pu partager son écran. Mais écoutez, j'espère vraiment. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Sinon, je ferai mon exposé en demandant. Ah voilà, je crois que nous allons y être. Est-ce que vous voyez quelque chose ?
Oui, Serge, oui. C'est merveilleux, ça marche. C'est parfait. Bravo. Parfait. Très bien. Bon, je vais aller assez vite puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. Voilà, vous avez devant vous Tromelin, cette île que le monde entier nous envie. Et vous m'avez demandé d'intervenir sur coopération régionale et souveraineté, c'est-à-dire la façon dont la France cherche à faire en sorte que la coopération soit régionale soit possible dans des zones où sa souveraineté sur certaines îles est contestée. Alors, Tromelin, vous la voyez, c'est une toute petite île. Elle est située à 436 km à l'est de Madagascar, environ 560 km au nord des îles de la Réunion. Rien d'intéressant à dire sur la géographie de cette île, si ce n'est qu'elle est très plate, 7 mètres le sommet. Elle est entourée d'un récif corallien extrêmement dangereux, qui a causé un certain nombre de naufrages, même si cette île est loin des routes maritimes traditionnelles. Elle a une piste d'atterrissage qui a été utilisée il y a encore quelques années, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. On ne peut l'atteindre que par hélicoptère. Cette piste est interdite pour des raisons environnementales. J'insiste là-dessus, puisque c'est une des ressources essentielles de l'île de Tromelin aux yeux de la France. Cette valeur environnementale, même si sur l'île, il y a peu de choses, une flore peu développée, quelques tortues, un assez grand nombre de tortues qui viennent y déposer leurs œufs et pas mal d'oiseaux de différentes catégories, soit en permanence, soit qui escalent lors de leur migration. L'île de Tromelin est une île particulière parce qu'elle a une histoire tragique. Elle a été découverte en 1722 par un navire français de la Compagnie des Indes, la Diane. Et elle a été à l'époque baptisée Île des Sables. Mais cet épisode tragique dont je vous dis quelques mots s'est produit en 1761. Un navire, l'Utile, une frégate de la Compagnie française des Indes orientales, a fait naufrage. Et cette frégate transportait un assez grand nombre, plus de 200 esclaves malgaches, qui était destiné au marché, entre guillemets, au marché de l'île Maurice. En faisant naufrage sur les bords de Tromelin, tout le monde, évidemment, a tenté de débarquer. Environ une centaine de personnes seulement ont réussi à débarquer, quelques membres d'équipage et des esclaves. Et les membres d'équipage, en utilisant les matériaux de l'épave, ont réussi à construire un canot et sont partis sur ce canot en promettant aux Malgaches qu'ils reviendraient rapidement pour leur porter secours. En réalité, ce n'est que 15 ans après qu'une frégate française est venue chercher ces pauvres esclaves. Il y en avait à l'époque plus que 8, 7 femmes et un bébé. Juste pour la petite histoire et pour que la chose ne soit pas un mystère, un navire, quelques mois auparavant, avait tenté de récupérer ses esclaves sans succès. Et un marin qui avait été désigné pour aller avec une chaloupe à la recherche de ses esclaves sur l'île a fait naufrage lui aussi sur la chaloupe et a dû rester sur l'île. On suppose à ce moment-là qu'il est pour quelque chose dans le bébé qui a été retrouvé. Le statut de Tromelin est un statut assez traditionnel pour nos territoires non occupés, nos territoires ultramarins non occupés. La date de 1814 pour ce statut est importante. Elle marque la fin d'une guerre entre la France et le Royaume-Uni dans cette région pour l'appropriation des îles comme la Réunion ou comme Maurice. Et c'est en 1814 qu'un traité a été signé entre les deux États pour affirmer la présence française et la souveraineté française sur la Réunion et affirmer la souveraineté britannique sur l'île Maurice. Et à ce moment-là, dans ce traité, il est indiqué très précisément que les possessions qui sont attenantes à l'île Maurice passent sous souveraineté britannique. Et il y a une terminologie différente entre le
texte français de l'accord, qui est le seul à faire foi à l'époque, et le texte anglais, puisque le texte français dit nommément Rodrigue et une autre petite île, et ne mentionne pas Tromelin, alors que la traduction anglaise de ce texte parle de « especially », ce qui donne à penser qu'il pourrait y avoir d'autres possessions autour de Maurice qui seraient passées du côté britannique. Et c'est là que c'est sur cela, sur cette différence d'interprétation, cette différence de traduction, que repose la revendication de l'île Maurice, devenue indépendante en 1968 et qui, depuis 1976, revendique Tromelin. Alors pourquoi 1976? On est en plein dans la négociation de la Convention de Montego Bay et déjà les perspectives de création d'aires marines, de zones économiques exclusives, rendaient les appétits des États et en particulier des États nouvellement indépendants assez forts par rapport à des possessions de pays venant d'autres continents. Alors, quelle solution par rapport à cette situation? C'est jamais très satisfaisant du point de vue diplomatique de se trouver confronté avec des revendications de souveraineté. Donc, la France a cherché à adopter une position qui soit à la fois une position de la main tendue et une position de respect de certains principes. Le premier principe, c'est le fait de conserver la souveraineté française. La souveraineté française sur les îles n'est pas négociable. C'est quelque chose qui est à la base de toutes les positions que nous prenons à l'international, en bilatéral ou en multilatéral sur ces thèmes-là. Dans le même temps, nous faisons tout pour éviter le recours à des procédures internationales de règlement des différends, qu'il s'agisse de l'arbitrage. On nous a parlé tout à l'heure de l'arbitrage sur la zone maritime de Saint-Pierre et Miquelon et de son résultat très négatif pour la France. Qu'il s'agisse du tribunal de Hambourg, le tribunal du droit de la mer, ou qu'il s'agisse de la Cour internationale de justice, toutes ces juridictions internationales, ces formes de règlements de différends internationaux, nous essayons d'y échapper et je crois vraiment que nous avons raison de le faire car tous nos dossiers ne sont pas absolument solides du point de vue juridique, même s'ils sont souvent plus solides que ceux des États qui revendiquent la souveraineté sur nos territoires. S'agissant de Tromelin, je vous l'ai dit, tout repose sur une interprétation, sur une traduction. Mais si l'on sait, par exemple, qu'à l'époque de la signature de cet accord en 1814, le français était la langue diplomatique internationale et qu'il n'y a qu'une version de ce texte qui fasse foi, la version française, on pourrait dire que nous sommes tranquilles et que nous pouvons aller devant une juridiction internationale sans crainte. C'est oublier que la juridiction internationale n'est pas insensible à l'ère du temps et à l'évolution de la politique internationale et des revendications des États en développement. Et l'exemple qui a été donné récemment par une juridiction internationale sur les Chagos, qui sont des îles plus au nord que Tromelin et qui sont revendiquées par l'île Maurice contre les Britanniques, la juridiction internationale en question a clairement décidé en faveur de Maurice. Nous ne souhaiterions pas nous retrouver dans la même situation. Donc l'idée, c'est de s'éloigner d'un différend, de s'éloigner d'un jugement, d'un arbitrage, en créant de l'intérêt à notre présence pour l'autre État, celui qui revendique. Et c'est également une façon pour nous d'améliorer la relation de voisinage avec l'ensemble des États de la région. C'est très important dans cette région de l'océan Indien, puisque vous voyez que, selon cette carte, les taches rouges sont les zones économiques exclusives françaises qui sont revendiquées, donc à droite, à l'est, par Maurice, et à l'ouest, par Madagascar. Et donc, pour nous, il est très important de faire taire ces différends en créant de l'intérêt et en améliorant donc la relation de voisinage. Et si nous réussissons dans cette zone, qui est une zone très délicate, très complexe,
très tendue. Si nous réussissons dans cette zone, nous devrions pouvoir réussir dans d'autres zones. On vous a parlé, on nous a parlé de la situation avec Matthew et Hunter et la revendication du Vanuatu sur ces îles. Alors, quelles sont les solutions? Nous avons trouvé une solution qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui malheureusement n'est pas allée jusqu'à son terme. C'est la solution d'un accord. C'est l'accord de 2010. Il a fallu près de 20 ans pour négocier cet accord, hein, ce qui n'est quand même pas rien s'agissant d'un accord bilatéral de 15 articles seulement. C'est un accord dont je vous dis le titre, c'est un accord cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice sur la cogestion économique, scientifique et environnementale relative à l'île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants. C'est un accord très important qui, du côté mauricien, a très vite été ratifié, mais les procédures de ratification sur l'île Maurice ne font que très rarement entrer en jeu le Parlement, ce qui est différent en France. Et donc, c'est un accord qui n'a pu être ratifié côté français, malgré l'accord pour une ratification donnée par le Sénat en 2012, mais cet accord n'a finalement pas été présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale en raison de l'opposition qui s'est faite jour sur certains aspects de cet accord et sur le fait que, selon un certain nombre de députés, cet accord porterait atteinte à la souveraineté française. De quoi s'agit-il en réalité? C'est un accord que l'on a voulu le plus clair possible, en particulier dans son article 2. Qui est... Monsieur Sigura, on nous demande si vous pouviez faire avancer les planches et rester bloqué sur la première. Ah bon? Je suis désolé de vous couper. Merci. Voilà. Est-ce que ça avance là? Non. Non, vous êtes toujours sur la couverture. C'est terrible parce que chez moi, ça avance. Bon, vous aurez compris que je suis… Vous compliquez. Bon, écoutez, je vais continuer parce que le temps s'écoule. Oui. Ce ne sont jamais que des photos assez peu intéressantes ou des cartes géographiques que vous avez déjà vues et qui montrent les limites des zones françaises. Concentrez-vous sur mes propos, si cela est possible, et je vous présente toutes mes excuses pour mon inhabilité. Voilà, donc cet accord utilise dans son article 2 un article de l'accord de Washington de 58 ou 59 sur le statut de l'Antarctique, qui est un article extrêmement important et intéressant, puisqu'il établit clairement que cet accord là n'a aucune incidence sur le différend quant à la souveraineté sur Tromelin et ses eaux. Il est spécifié qu'aucun élément de l'accord ne peut être interprété comme un changement de position de l'une ou l'autre partie sur ce point, ni même une reconnaissance ou un soutien de ses positions. Aucun acte ou activité résultant de l'application de l'accord ne pourra constituer une base pour affirmer ou contester les revendications de souveraineté des parties. C'est-à-dire que cet accord ne change rien à la certitude que nous avons de notre souveraineté sur Tromelin et ses eaux et ne change rien à la certitude qu'a Maurice que sa revendication de souveraineté est justifiée. Et quand on met de côté, c'est exactement l'exemple de l'Antarctique, quand on met de côté les revendications territoriales, à ce moment-là, on peut peut-être commencer à travailler ensemble et on souhaitait travailler sur plusieurs domaines. Cette cogestion devait porter à la fois sur l'environnement, protection de l'environnement, avec l'espoir de pouvoir créer des aires marines protégées, la protection et l'utilisation durable des ressources halieutiques, et en particulier d'une certaine catégorie de thonidés, le thon germon, qui est une catégorie à petite valeur ajoutée, qui n'intéresse pas que très peu les pêcheurs français, mais qui intéresse un peu plus les pêcheurs mauriciens. Et une observation des phénomènes naturels, il y a sur Tromelin une petite station météo avec 3 personnes qui se relaient. Et puis finalement, une
coopération, une coordination, une co-gestion sur le domaine de la recherche archéologique, puisqu'il y a des restes qui nous permettent de nous remémorer cette très terrible tragédie des esclaves malgaches. Voilà, à côté de cet accord, ou en annexe de cet accord, pardon, il y a un certain nombre de dispositions qui permettent de mettre en œuvre cette co-gestion. Il y a 3 conventions d'application sur l'environnement, sur la pêche et sur la recherche archéologique. Alors, autre possibilité de surmonter ces différents de souveraineté pourrait être la notion de bien commun. Alors, je suis désolé, mais je préfère m'en tenir à la notion de bien commun et pas bien commun de l'humanité pour éviter le mélange avec la notion de patrimoine commun de l'humanité. Ce n'est pas le thème de notre débat, mais je tenais à signaler le bien commun pour la France. C'est une notion qui ne doit pas être juridique, qui doit essentiellement être morale et politique. C'est la façon de reconnaître et de souligner la responsabilité de tout un chacun, de l'individu jusqu'à l'État et à l'organisation internationale, en passant par le secteur privé, en passant par les fondations, etc. Sa responsabilité quant à une exploitation durable de l'océan et un bon état écologique, un comportement qui permette un bon état écologique de l'océan. Cette notion, comme Eudes l'a expliqué au début de notre débat, a été mise en avant par un petit nombre de passionnés de l'océan et défenseurs de l'océan, et elle a été reprise par le président de la République à la fin 2019, en décembre, lors de son discours à Montpellier aux Assises de l'économie de la mer du cluster maritime. Et donc, pour nous, fonctionnaires, cette notion est devenue le fer de lance de nos positions dans certaines enceintes internationales qui traitent du maritime. Cette notion de bien commun, nous essayons aujourd'hui de la placer dans le préambule de l'accord BBNJ, qui est un accord de mise en œuvre de la Convention sur le droit de la mer et qui est un accord qui porte sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité au-delà des zones sous juridiction. En gros, c'est un accord qui a vocation à élaborer un pan très important de la gouvernance de la haute mer. Je vous signale la difficulté que nous avons à aboutir dans cette négociation. Il est vrai qu'il est particulièrement difficile de tenter d'intégrer une notion que nous voulons morale et politique dans un texte qui a vocation à être strictement juridique. Nous essayons donc de la placer dans le préambule. La question qu'un certain nombre de personnes nous ont posée, que des États nous posent, c'est est-ce que vous limitez l'utilisation de cette notion de bien commun aux eaux, à la haute mer et au plateau et à la zone, c'est-à-dire au fond des mers, au-delà des plateaux continentaux nationaux? La réponse est très claire, oui, parce que nous savons que l'océan est un et que ce que chaque État fait dans sa zone économique exclusive peut avoir des conséquences néfastes ou positives en haute mer ou dans d'autres zones économiques. Donc, il n'y a pour nous aucun problème à ce que la France déclare que ces zones sous juridiction sont un bien commun. Et cela n'entraîne aucun droit particulier à d'autres États ou à une quelconque organisation internationale pour juger et condamner ou applaudir, tout est possible, les actions que nous menons dans nos ZEE. C'est simplement la prise de conscience par la France que ce qu'elle fait dans sa ZEE peut être bon pour l'ensemble de l'océan. C'est un point extrêmement important. Donc, pour conclure, et en l'absence malheureusement de toute belle photo sur l'océan, je dois dire que dans cette zone de l'océan Indien, comme dans toutes les autres zones, nous sommes confrontés à des défis environnementaux multiples, il en a été question. Que nous partons du principe que les scientifiques nous ont démontré que l'océan est unique, que l'océan est un.
que la France est un État qui se doit d'avoir en permanence une politique de développement active, efficace et qui s'adapte à l'évolution de la connaissance scientifique sur notre planète, et en particulier sur l'océan. Et que nous voulons donc adapter notre rôle en faveur du développement international, des États en développement, également dans le domaine maritime, également dans le domaine de l'environnement marin. Et il faut également ne pas être naïf et savoir que nous devons constamment nous faire accepter dans certaines régions, que la présence française ne va pas de soi pour un grand nombre de pays qui appartiennent à des régions qui sont éloignées de la métropole. C'est le cas dans l'océan Indien et que nous avons là à démontrer, et ça a été bien démontré par la Marine nationale juste avant, que notre rôle est extrêmement important en cas de catastrophe naturelle, mais également pour limiter la criminalité en mer dans ces régions-là. C'est une façon pour la France, en faisant avancer cette notion de bien commun et en agissant pour le développement, c'est une façon d'entrer de plein pied dans le 21e siècle, car nous considérons qu'au 21e siècle, nous ne pouvons plus avoir la même politique maritime vis-à-vis de nos territoires d'outre-mer, et en particulier vis-à-vis de ces îles inhabitées que nous avions au 19e siècle et que nous avons eues au 20e siècle. Voilà, en vous présentant une nouvelle fois toutes mes excuses pour ce cafouillage informatique, je vous remercie. Merci infiniment, merci. Serge. Merci. Je vais repasser la parole à Christian Buchet qui, avant que Jean-Louis nous apporte les conclusions de l'Institut français de la mer sur cette question de 11 millions de kilomètres carrés, pour quoi faire. Je te passe la parole, Christian, pour que tu annonces le prochain mardi de la mer, et puis oui, de façon à ce que les gens qui sont bloqués, qui doivent rentrer chez eux avant le couvre-feu, puissent nous quitter en sachant la suite du programme de nos mardis de la mer, et puis pour ceux qui ne sont pas bloqués et qui ont quelques minutes de plus, eh bien, pour pouvoir prendre quelques questions après la conclusion de Jean-Louis. Nous resterons quelques minutes en ligne, peut-être jusqu'à 45, si nos panélistes peuvent rester avec nous jusque-là. Christian. Voilà, donc simplement pour annoncer notre prochain mardi de la mer, donc c'est après la session d'examen des étudiants en janvier, donc ça sera le mardi 26 janvier. Mardi 26 janvier, ça sera Denis Robin, qui est le secrétaire général de la mer, qui va inaugurer donc le second semestre, avec la thématique « La coordination de l'action gouvernementale maritime face au Covid-19 ». Je suis désolé, la caméra ne s'allume pas. Le président Rivlier me l'a coupé, mais ce n'est pas grave. J'en profite pour ceux qui devraient nous quitter sans pouvoir rester totalement avec nous encore un petit quart d'heure. On vous souhaite un grand merci pour votre fidélité. Hein, et puis, nous vous souhaitons, en dépit de tout, un excellent Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année. Hein, tous nos vœux chaleureux déjà. Et on aura grand plaisir à se retrouver pour 6 sessions, donc en présentiel, j'espère, dans le courant du second semestre. Voilà, nous allons donc maintenant passer la parole à Jean-Louis qui va conclure et puis on se donne donc jusqu'à 45 pour répondre peut-être rapidement à une ou deux questions. Merci Christian. Jean-Louis. Alors, je vais faire comme, j'espère que j'aurai un peu plus vous de êtes là. Vous êtes là, vous n'êtes pas masqué. Oui, si je suis là, j'essaie de récupérer mon PowerPoint. Alors, 11 millions, voilà. Oh merde, voilà. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez? Mais non. On ne voit pas votre PowerPoint. Alors, elle est affichée. Alors, il faut peut-être que j'appuie à nouveau sur partage d'écran. Est-ce voilà, que vous l'avez là? C'est bon, il arrive. Il arrive. Voilà. Alors, je reprends le fil de mon propos. Je vous avais annoncé quelques enseignements et quelques propositions. Tout d'abord, trois constats pessimistes. Alors, peut-être que j'avance un petit peu. Voilà.
trois constats pessimistes. Ce qui ressort des exemples méditerranéens et calédoniens, c'est le caractère disparate de notre présence maritime. Et on le retrouve dans les autres zones. La Manche, par exemple, est caractérisée par son étroitesse. Elle connaît une hyperconcentration des activités et des risques majeurs pour la sécurité maritime. Et donc, elle subit un danger permanent de pollution accidentelle. Mais, contrepartie, cette zone bénéficie d'une certaine homogénéité politique et économique de la part de ses États riverains, ce qui contribue à en faire une zone de stabilité politique et de prospérité, même si le Brexit fait poser une hypothèque préoccupante et immédiate. La zone sud de l'océan Indien rassemble des possessions françaises sous des statuts particuliers et des situations très contrastées. Mayotte est soumise à une pression migratoire intense et répond à Mayotte des étendues désertiques et froides des Kerguelen, qui sont un archipel des terres australes et antarctiques françaises, comme le sont aussi les îles éparses, tout aussi désertiques, mais elles sont tropicales. La Polynésie représente à elle seule la moitié de l'espace maritime français, et on peut dire que les atolls subissent une sorte de dilution maritime à grande échelle. La Guyane nous rattache au continent américain et son espace maritime, l'exposé de l'amiral Postec l'a bien montré, subit un pillage halieutique que l'on combat avec peine, tandis que le centre spatial de Kourou suppose une parfaite maîtrise de l'espace aéromaritime. Quant aux Antilles, elles sont en pleine route des narcotrafics, Yves Postec l'a encore montré, elles subissent les fléaux conjugués de la pollution par la chlordécone et l'invasion des sargasses. Il n'est donc pas étonnant, devant un tel tableau si différencié, que les politiques maritimes locales soient différentes, pour ne pas dire dispersées, faute de définition d'un cadre général. Par contre, point tout à fait positif, l'existence d'une organisation administrative régalienne éprouvée et homogène en métropole comme outre-mer, le dispositif d'action de l'État en mer constitue un facteur de cohérence et d'unité fondamentale pour la France maritime. L'insuffisance des moyens de la protection de nos espaces maritimes constitue une impasse majeure de notre politique. Si en métropole, les moyens lourds de la marine constituent un réservoir notable, les eaux ultramarines, déjà mal dotées, ont été les premières victimes de la politique de contraction des moyens de la défense, ce qui a provoqué des ruptures capacitaires encore d'actualité. Et comme le soulignait l'ancien Premier ministre, ce qui n'est pas surveillé est visité, ce qui est visité est pillé, ce qui est pillé finit toujours par être contesté. Ce manque criant de moyens conduit donc à la fragilité de notre présence ultramarine. Dans le double contexte de revendications juridiques par certains États voisins et de la montée en puissance de marines concurrentes, dont la Chine est l'illustration la plus évidente. Alors, nous sommes heureusement en mesure trois propositions. La première tombe sous le sens, c'est de renforcer la présence navale française d'outre-mer, ce qui est en bonne voie, ce qu'a très bien d'ailleurs montré Yves Postec. Mais il faut bien être conscient que si la France ne met pas le prix en équipement, mais aussi en recherche scientifique, elle n'aura pas de politique maritime. Il ne s'agit pas de dépenses, mais d'investissements. À supposer que ce point majeur soit réglé, il faudra aussi disposer d'une gouvernance adaptée à l'immensité et à la diversité de notre espace maritime. Or, l'éclatement des attributions maritimes de l'État entre plusieurs ministères est un obstacle à la définition d'une politique maritime globale. Ce constat s'était imposé en 1995 et fut à l'origine des institutions que sont le Comité interministériel de la mer et le Secrétariat général de la mer. La création d'un ministère de la mer en juillet 2020 a rebattu les cartes. Mais à la lecture du décret d'attribution de Mme Girardin, on constate que seule la direction des affaires maritimes lui est directement rattachée. Les autres administrations étant seulement en partage sous des vocables divers. Ce nouveau ministère, il faut le constater, est concurrencé et est encore fragile.
Il faut donc à tout prix préserver et renforcer notre dispositif central d'administration maritime. Trois actions pour cela. D'une part, fortifier le ministère de la mer par une administrative élargie et pérenne. C'est une opération délicate puisqu'elle ne pourra pas se faire, qu'en prélevant des directions et des services d'autres ministères, comme la transition écologique, les transports ou l'agriculture. Nous proposons de rattacher au ministère de la mer tout ce qui a trait au port, à la flotte de commerce, à l'environnement et à la pêche. Il faut d'autre part renforcer le lien du ministre de la mer avec le Premier ministre, car seul Matignon peut jouer le rôle d'arbitre. À cette fin, il convient de consolider le secrétariat général de la mer, qui devrait rester sous double tutelle et qui devrait avoir des liens fonctionnels directs, autant que de besoin, avec ces grands organismes que sont l'IFRE, le CHOM, les affaires maritimes et la Marine nationale. Ce SGMR plus devrait se voir doté d'un budget de mission qui seul permettrait de répartir la charge des équipements entre les partenaires, ce qui rendrait concrète sa tutelle de la fonction garde-côte. Il convient, troisième proposition, de créer auprès du CIMER et du SGMR un organe de concertation, de réflexion et de proposition. Nous proposons d'instituer un haut conseil de la France maritime qui serait constitué à partir des diverses instances consultatives et professionnelles actuellement trop dispersées. Le Conseil national de la mer et du littoral, le Conseil supérieur de la marine marchande, le Comité national des pêches, l'Association nationale des élus du littoral, et j'en oublie peut-être. La première mission du SGMR et du Haut Conseil sera de proposer au Comité interministériel de la mer la définition d'une politique maritime globale assortie d'objectifs concrets. Il n'y a pas actuellement de politique maritime globale. Les outils pour ce faire existent. Les comités France Maritime et France Océan pourraient en être les maîtres d'œuvre, associés à des experts et des institutions telles l'Office français de la biodiversité, l'IFREMER, l'IDRI, l'Académie de marine, l'Institut français de la mer, bien sûr, mais aussi des ONG environnementalistes comme celles qui sont réunies par la plateforme Océan Climat. Au plan local, nous l'avons dit, je le répète, le dispositif d'action de l'État en mer constitue un facteur fondamental de cohérence et d'unité de la France maritime. Il s'agit de préserver cette organisation tout en veillant soigneusement à l'équilibre entre cette structure étatique et les instances locales, notamment les instances citoyennes, dont la participation à la gouvernance ne doit pas conduire à l'émiettement administratif du littoral et des espaces maritimes. Entre parenthèses, on voit ce que cela donne en Nouvelle-Calédonie. Il faudra enfin rétablir les directions départementales des affaires maritimes qui sont absorbées par les directions des territoires. La France ne pourra pas mener une grande politique sans administration maritime forte, présente sur tout le littoral et identifiée. Enfin, dernière proposition, fonder la coopération internationale sur l'idée de bien commun. La proposition de faire de l'océan le bien commun de l'humanité a été exprimée pour la première fois par l'Institut en 2015. Elle a fait son chemin, je n'y reviens pas, je cite simplement le président de la République aux Assises de la mer. La vision maritime que la France doit développer est claire, a-t-il dit, l'océan étant bien commun de l'humanité, un bien placé sous notre responsabilité collective et individuelle de la haute mer aux eaux territoriales. L'ambition est de repenser radicalement le fondement de notre souveraineté sur les espaces maritimes en abandonnant une conception conçue comme la propriété de territoires morcelés. Dans le cas de l'océan bien commun de l'humanité, n'est-ce pas Serge, la souveraineté trouverait son origine non plus dans la domination, mais dans la délégation que l'humanité accorde aux États et qui doivent en rendre compte. Le droit de la mer, ainsi fondé sur la responsabilité, permettrait d'ouvrir largement la coopération internationale et désarmerait les revendications d'États qui seraient désormais invités à coopérer pour l'exploitation des espaces sous juridiction.
Loin de toute idée d'abandon, nous gagnerions une maîtrise peut-être partagée, mais incontestée de certains territoires qui sont disputés et des eaux qui leur sont associées. On pense à Matthews et Hunter, aux éparses, mais aussi la délimitation de la zone économique exclusive en Méditerranée entre la France et l'Espagne. Imaginons par exemple que la zone grise revendiquée par ces deux États soit établie en aire marine protégée, gérée et surveillée conjointement. C'est ainsi que les différends d'aujourd'hui deviendront peut-être demain autant de coopération. Je vous remercie de votre attention et il est temps maintenant de passer aux questions. Merci beaucoup, Jean-Louis. Alors, nous avons quelques questions, effectivement. J'essaie de remonter. Peut-être pour Serge Segura, pourrions-nous considérer que l'accord de Tromelin aurait illustré la différence entre une vision patrimoniale et juridique de la notion de bien commun et le service du bien commun, c'est-à-dire la recherche de ce qui sert à tous? C'est en tout cas une tentative. C'est en tout cas une tentative et jusqu'à présent, ma modeste expérience me démontre qu'il n'y en a pas beaucoup sur la scène internationale des tentatives pour essayer de travailler ensemble sur une zone maritime de sorte à un nombre d'États et des populations les plus importantes possibles. Il est vraiment dommage, juste pour rester dans cette zone de l'océan Indien, et il est vraiment dommage que cet accord n'ait pas pu aboutir côté français. Les Mauriciens ont montré beaucoup de patience, il faut le reconnaître, puisqu'ils ont accepté le jeu des élections en France et des changements possibles de majorité qui créaient quelques incertitudes sur l'avenir de cet accord. En réalité, aujourd'hui, cet accord existe sur le papier, il nous bloque dans toute avancée ou tentative d'avancer avec Maurice, ce qui est quand même assez dommage, et il nous bloque également dans la région, dans une approche que nous avons cherché à organiser avec Madagascar sur les îles Éparses. Nous avons cherché avec Madagascar à établir un lien, à commencer à discuter comme on l'avait fait avec Maurice il y a 20 ans pour essayer de montrer qu'on pouvait mettre la question de souveraineté de côté, qu'on pouvait travailler ensemble à une gestion commune de certains aspects. Malheureusement, les Malgaches ont une vision extrêmement traditionnelle des questions de souveraineté et ils nous disent, on a eu deux réunions avec eux, ils nous disent à chaque fois que leur mandat c'est d'obtenir le retour à la mère patrie des îles Éparses et nous leur parlons de co-gestion, de coopération. Si l'accord avec Maurice avait été ratifié côté français également, on peut espérer que l'expérience acquise par l'utilisation de cet accord aurait été utile dans les discussions que nous avons avec Madagascar. Et nous n'avons pas malheureusement d'autres exemples. Et j'attends des difficultés ailleurs. J'attends des difficultés, par exemple, avec Matthew et Anne et le Vanuatu. Voilà. Merci Serge. Florence Wagner nous dit « Bonsoir Monsieur le Commissaire Général, pendant longtemps la France n'a pas eu de ZEE en Méditerranée, elle a d'abord créé une ZPE, zone de protection écologique, puis une ZEE. Vous dites qu'aujourd'hui il faudrait revenir à plus de protection, pour autant des mécanismes de protection sont en vigueur, aire marine protégée, sanctuaire Pélagos, box CGPM pour une exploitation raisonnée de la ressource halieutique, surveillance et répression des pollutions volontaires mises en œuvre par la fonction garde-côte. Quelle logique a conduit à la transition ZPE-ZEE? Quels efforts supplémentaires devraient être entrepris pour davantage de protection dans notre ZEE en Méditerranée? Jean-Louis, est-ce que vous vous sentez de prendre le micro? Non, certainement pas. Alors faites-le. Je peux simplement retracer un bref historique. La zone de protection écologique a été instituée en 2003 dans le but de faciliter la répression des pollutions illicites, des dégazages, comme disent les journalistes,
qui avait lieu au large de nos côtes, et très souvent on voyait des navires dégazés à 13 nautiques à l'abri de toute répression. Donc on a institué cette ZPE pour permettre de fermer l'ordre et la salubrité des mers au-delà de notre mer territoriale, ce qui n'était pas possible auparavant. Ce faisant, on a commencé à rompre un accord implicite entre les États riverains de la Méditerranée qui, lors de l'adoption de la Convention de 1982, pour ne pas générer des conflits de délimitation qui auraient été vite un imbroglio considérable, s'était abstenu de définir des zones économiques exclusives en Méditerranée. Bon, on a créé cette sorte de précédent et en 2012, on est passé à une ZEE de plein exercice qui a repris les délimitations à quelque chose près de la ZEPE que nous avions mise en place, mais qui est une vraie zone économique exclusive, dans le but, si je me souviens bien, principal était de préserver nos ressources halieutiques. On a insisté, et j'ai insisté dans mon exposé sur la Méditerranée, sur la fragilité des ressources halieutiques de Méditerranée. Je pense que ce que le gouvernement a voulu faire, c'est une zone de protection, non pas simplement contre les pollutions, mais aussi de zone de protection des poissons français en Méditerranée. Alors maintenant, c'est une ZEE de plein exercice. Elle ouvre à l'ensemble des possibilités qu'offre une ZEE d'exploitation des ressources, du sol, du sous-sol, etc. Donc, c'est une ZEE de plein exercice qui n'a pas tardé à être imitée par d'autres États de Méditerranée, et notamment par l'Espagne, avec lequel nous avons un chevauchement de délimitation, et donc cette zone grise à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, et qui gagnerait à être traité non pas dans un affrontement de juristes, mais tout simplement dans une coopération, parce que, si j'en crois le témoignage de la préfecture maritime de la Méditerranée, la zone grise de chevauchement des ZEE, bien plus personne n'ose y aller parce qu'on ne veut pas se mettre en difficulté dans nos relations avec l'Espagne, et donc c'est une zone qui est délaissée et dans laquelle c'est le résultat inverse au but recherché, il peut y avoir des pollutions, du pillage halieutique, donc finalement c'est une zone de non-droit alors que ça devrait être une zone, si j'ose dire, de surdroit. Voilà à quoi conduit une absence de coopération entre les États, et nous invitons bien sûr à cette coopération, et je pense que si on envisageait que ces zones économiques sont d'abord un bien commun, la coopération en serait facilitée. Je pense que nous sommes nombreux autour de la table à penser comme cela. Je n'ai pas totalement répondu à la question de Florence Wagner, mais je suis à sa disposition, mais dans un autre cénacle, parce que le temps tourne. Alors, on a une question à l'inverse des eaux françaises bien communes, les eaux britanniques bien communes. Dans le contexte du Brexit et d'un no deal, quid de l'accès des bateaux français aux zones de pêche britanniques? Est-ce que ces zones de pêche britanniques sont un bien commun où nous pouvons aller? Serge, avez-vous sur le sujet? J'ai pas de science particulière sur le sujet, vous le savez bien, simplement peut-être une réaction presque épidermique. Voilà ce qu'il faut éviter. La définition du bien commun par rapport à la possession, par rapport à des activités économiques, ce n'est pas du tout ça le bien commun. Je crois que le bien commun, c'est considérer qu'il faut protéger. Et que si nous protégeons bien nos eaux contre la surpêche, par exemple, nous participons à un meilleur état de l'océan. Si les Britanniques dans leur zone, personne ne conteste leur zone, si les Britanniques dans leur zone, après le Brexit et dans le cas d'un no deal, par exemple, protègent bien la ressource halieutique de la surpêche, eh bien, ils contribueront au bien commun. Voilà. Et ce n'est pas nous, en allant pêcher chez eux, que nous contribuerons plus au bien commun. Voilà. Merci Serge, merci pour cette réponse. Ni eux en allant chez nous. une autre question
Comment faire circuler l'idée d'un bien commun auprès du grand public, une nouvelle expédition maritime, le voyage et l'océan comme lieu commun, etc. Là, je voudrais proposer une solution. On pourrait peut-être demander à tous les fabricants d'appareils sanitaires de graver sur ces appareils sanitaires, près des bonds, des trous et orifices, une petite mention, l'océan commence ici. Je pense que ça donnerait une forte évolution des mentalités sur l'impact que nous pouvons avoir sur l'océan. Voilà, bon, c'est un peu une plaisanterie, mais il faut qu'on ait un certain nombre d'actions symboliques comme celle-là. Si chaque fois que nous nous lavons les dents, nous voyons en face de nous l'océan commence ici, peut-être que l'idée du bien commun pourra-t-elle circuler plus rapidement. Notre collectif Océan Bien Commun de l'Humanité a un certain nombre d'actions en direction du grand public lors des manifestations, lors des manifestations nautiques, etc., pour essayer de faire avancer le sujet aussi bien auprès du grand public que des institutionnels. Voyons, qu'est-ce que nous avons comme question ? Il y a une question qui me semble beaucoup, beaucoup plus large que notre sujet. Quelle stratégie innovante française et mondiale pour les idées et applications exceptionnelles basées sur les 11 millions de kilomètres carrés français et au-delà en observation de la Terre, surveillance atmosphérique, management, marketing, économie, la portabilité et la conservation de l'énergie qui aborde des défis mondiaux, sociétaux et commerciaux pendant et après le Covid-19. Je ne sais pas si on est capable de dire quelques mots sur le sujet. Ça me semble une question extrêmement vaste. Les stratégies innovantes françaises et mondiales basées sur les 11 millions de kilomètres carrés, en quoi des stratégies innovantes sur la mer peuvent-elles faire changer les choses ? Je crains qu'on soit sur une question trop large. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de s'y risquer ? Bon. Non, c'est pas que je vous qu'on se défausse, mais je trouve que la question est beaucoup trop large. Elle n'est pas suffisamment ciblée pour qu'on puisse y répondre. J'ai déjà du mal à la cerner, alors y répondre a fortiori. Voilà, écoutez, je pense que nous avons pris la plupart des questions. Il y avait quelques questions d'aspect plus budgétaire. Amiral, quel budget représentent vos interventions sur les littoraux outre-mer et combien d'hommes sont mobilisés sur place ? Et Amiral, vous avez répondu qu'il y avait 2300 marins et gendarmes maritimes. Et puis, il y avait une question à Jean-Louis Fillon. Finalement, combien d'argent est-ce qu'il faudrait pour que la Marine nationale et les autres administrations en charge de la surveillance de nos ZEE aient les moyens nécessaires ? Est-ce que nous avons une petite idée du budget qui serait nécessaire ? En pourcentage, de combien devons-nous augmenter nos moyens pour répondre à M. Fillon ? Amiral, vous tentez une réponse ? Oui, alors je n'ai pas les éléments de prix, malheureusement. Ce que je dirais, c'est que ce n'est pas seulement une question de moyens. Parce que des moyens, il n'y en aura jamais assez. On a parlé tout à l'heure, on a vu l'immensité des zones. Je pense qu'il faut, sans doute une bonne coordination des moyens qui sont sur place, leur emploi intelligent, bien sûr. Enfin, ça, on peut compter sur les gens qui sont présents sur place. Et puis, un petit peu d'innovation. Dans le cas de la Marine nationale, par exemple, on essaie d'embarquer, une des politiques, c'est d'embarquer des drones sur les bateaux. C'est tout bête, mais ça décuple les capacités du bateau. Ça lui permet d'aller voir plus loin, de couvrir des zones plus grandes. Tous les bateaux en seront équipés, petit bateau, petit drone, gros bateau, gros drone. Voilà, donc ça demandera finalement peu de moyens.
moyens, mais c'est un petit peu d'imagination, le bon emploi des moyens qui sont sur place. Mais si on aborde uniquement ça sous l'angle de la question des moyens, c'est sans fin, quoi, parce que les espaces sont eux-mêmes tellement immenses. Voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. Voilà, écoutez, moi je voudrais vous remercier tous, saluer notre ami Jérôme Bignon qui malheureusement n'a pas pu intervenir, remercier à nouveau et nos intervenants et l'Institut catholique et le cluster maritime d'avoir permis que cette soirée se déroule, nous excuser pour ce décalage d'une demi-heure dans la fin de notre webinaire, mais le fait que nous soyons encore une centaine de présents montre l'intérêt des débats jusqu'au bout et montre que tout le monde n'était pas obligé de rentrer chez lui avant le couvre-feu d'ici quelques minutes. Je dois excuser Christian Buchet qui, lui, devait tenter de rentrer chez lui effectivement avant ce couvre-feu et qui donc nous a quittés il y a une dizaine de minutes. Merci à tous et puis donc rendez-vous au mois de janvier pour entendre le secrétaire général de la mer, Denis Robin, nous évoquer les politiques maritimes et marines à la suite du Covid. Et excellente fête à chacun d'entre vous. Merci encore de votre attention pendant toute cette soirée.